Les amis, Nicolas Hotte, spécialiste de la nutrition, aujourd'hui, on va parler de la prise de masse. La prise de masse, on en a déjà parlé, notamment dans le cadre de la recomposition corporelle. Vous vous souvenez, la recomposition corporelle, c'est quand on reste au même poids ou carrément on perd du poids et en parallèle de ça, on est en train de gagner en masse musculaire. C'est quelque chose qui est assez intéressant pour les débutants, pour ceux qui sont en excès de masse adipeuse, en excès de graisse. À partir du moment où vous voulez maximiser vos gains musculaires, on sait qu'il faut être en surplus calorique, notamment quand vous êtes déjà relativement affûté. Alors le surplus calorique va vous aider à fournir les nutriments nécessaires à la construction du muscle, mais aussi l'énergie nécessaire à la construction du muscle, à la récupération et nécessaire aux séances de musculation que vous allez faire. Pour rappel, le but de la musculation, c'est de mettre le stress nécessaire sur l'organisme pour que votre muscle s'adapte. Ensuite, la nutrition va donner les aliments, va donner l'énergie nécessaire à la reconstruction. Alors, évidemment, plus j'ai de nutriments, plus j'ai d'aliments, plus j'ai de calories, plus je vais prendre de poids et plus je vais prendre de muscle. Maintenant, il y a un ratio entre le muscle et la graisse qui peut être favorable ou défavorable. Si vous êtes dans la performance, vous êtes un athlète, vous souhaitez être plus musclé, mais vous ne souhaitez pas être plus gras. Si vous êtes un bodybuilder, un culturiste, ou si simplement vous voulez améliorer votre esthétique, torse nu sur la plage l'été, vous voulez prendre du muscle, vous ne voulez pas prendre du gras. Si vous voulez être dans la meilleure santé possible, vous voulez prendre du muscle, vous ne voulez pas prendre du gras. Et donc, on sait plus de calories, être en surplus calorique, ce qu'on appelle un régime hypercalorique, ça favorise la prise de masse, mais avoir un surplus calorique qui est trop important favorise la prise de masse avec beaucoup de graisse. Et donc, l'objectif du nutritionniste, l'objectif de la prise de masse sèche, c'est d'avoir l'apport calorique qui permet d'optimiser la masse musculaire tout en minimisant la prise de graisse. C'est un concept qui est très compliqué. Il y a de nombreux nutritionnistes qui se sont penchés sur la question et qui ont essayé de savoir quelle était la quantité d'énergie nécessaire pour produire 1 kg de muscle. Et en fait, c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui, on n'a pas vraiment de réponse. On a une fourchette. Il y a Slater, en 2019, qui a fait une recherche, une étude, et qui a dit qu'entre 380 et 480 calories en plus par jour était un point de départ intéressant pour augmenter son apport calorique. Bien évidemment, ça dépend de votre taille, de votre poids, de votre passé en musculation. Ça dépend de nombreux facteurs. La prise de masse sèche est un sujet sur lequel il n'y a pas beaucoup d'études. Malgré ça, il y a deux études qui, pour nous, sont relativement intéressantes. La première a été établie en 2019. On a pris un groupe de 11 bodybuilders, culturistes, des gens qui font de la musculation pour gagner de la masse musculaire. On les a séparés en deux groupes. Le premier groupe consomme un régime hypercalorique modéré. Le deuxième groupe consomme un régime hypercalorique intense, c'est-à-dire qu'il est vraiment en surplus calorique par rapport au premier groupe. Ensuite, au bout de 6 semaines, on compare les résultats. Les deux font exactement les mêmes séances de musculation. Et au bout de 6 semaines, on compare les résultats. Le premier groupe, celui sur un apport calorique modéré, a pris 1,2 kg de masse musculaire. Et il a pris environ 300 g de graisse. En gros, s'il était à 10-15% de masse graisseuse, il est resté à 10-15% de masse graisseuse et il a augmenté sa masse musculaire. Le deuxième groupe, celui qui était en apport intense, a pris le double en muscle, c'est-à-dire 2,4 kg de masse musculaire. Par contre, il a pris 1,8 kg de graisse, c'est-à-dire qu'il a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de graisse. En proportion, c'est bien plus important la graisse qu'il a prise. Donc ce qu'on constate dans cette étude, c'est qu'il y a une limite au nombre de calories qu'on peut ingérer pour optimiser sa prise de masse sans prendre trop de graisse. Deuxième étude, peut-être encore plus intéressante. On a pris 40 athlètes. Sur ces 40 athlètes, on les a divisés entre deux groupes. Le premier groupe mange à sa faim. Le deuxième groupe, un régime alimentaire qui est imposé et qui est en moyenne de 600 calories en plus du premier groupe par jour. À la fin, on compare les résultats. Sur ces athlètes qui faisaient 4 séances de musculation par semaine, on a eu à la fin comme résultat une prise de masse qui était similaire, une prise de masse musculaire qui était similaire, une prise de graisse qui était beaucoup plus importante du côté de ceux qui était à plus 600 calories par jour que de l'autre côté. Et du coup, des performances qui étaient bien meilleures pour ceux qui n'ont pas pris de graisse que pour ceux qui ont pris de la graisse. Alors, quel est mon conseil si vous souhaitez faire une prise de masse tout en limitant la prise de graisse? Première chose, définissez un objectif intelligent. Définissez un objectif qui n'est pas trop long. Ne faites pas une prise de masse sur 6 mois, 9 mois, 1 an. La prise de masse qu'on va recommander de manière générale, c'est 12 semaines. Ensuite, sur cette phase-là de prise de masse, essayez de prendre entre 0,5 et 1,5% de votre poids de corps par mois. Ce que vous faites, c'est que vous augmentez votre cible calorique. Vous augmentez de 5%, 10%, 15%. Vous vous pesez 3 fois par semaine et vous observez l'évolution
l'évolution de votre poids. Si vous prenez trop de poids trop vite, c'est pas bon. Si vous prenez pas assez de poids, c'est pas bon non plus. Donc vous régulez en fonction de vos observations à partir d'une base de départ qui est plus 5 à 15% par rapport à votre consommation calorique habituelle. Ensuite, en termes de macro, vous allez consommer le maximum de protéines possible. Je vous rappelle que la recommandation, c'est 1,6 à 2,2 g de protéines par kilogramme de poids de corps. Dans cette condition-là, on va s'appuyer sur une étude qui nous a montré que les bodybuilders les plus musclés et les plus secs étaient les bodybuilders qui consommaient le plus de protéines, jusqu'à 3 g par kilogramme de poids de corps par jour. Donc on va optimiser sa consommation de protéines, au moins 2,2, peut-être un peu plus si vous le désirez. Troisième question qu'on se pose, c'est les glucides, les lipides. Là, c'est là où la science a du mal à vraiment savoir. Mon conseil, surtout si vous pratiquez des sports dans lesquels vous devez exploser, vous devez être rapide, explosif, tels que les sports de combat, mais tels que les sports de terrain aussi, mon conseil, consommez des glucides. Vous allez optimiser votre récupération, vous allez provoquer un signal anabolique grâce à la sécrétion d'insuline, et donc je vous recommande de consommer entre 4 et 7 g de glucides par kilogramme de poids de corps. Enfin, sur la graisse, vous allez consommer le reste de vos calories en graisse. Mon conseil, c'est de s'orienter vers des lipides qui sont plutôt sains. Vous savez, l'avocat, le poisson gras, les oléagineux. On sait que ces graisses-là sont moins facilement stockées et provoquent un anabolisme qui est plus important. Enfin, du côté de la supplémentation, vous le savez que j'apprécie particulièrement la créatine. Vous avez toutes mes vidéos dessus. La créatine va vous permettre de gagner un petit peu plus de muscle, mais aussi d'optimiser vos performances. Et dans beaucoup de cas, on aime bien être performant. Enfin, il est difficile de parler de prise de masse sans parler des hard gainers. Les hard gainers, c'est cette catégorie de personnes qui ont beaucoup de mal à prendre du poids. Là aussi, on a une étude super intéressante sur le sujet. On a donné 1000 calories en plus par jour à des personnes. Et on a étudié dans ces personnes-là, dans ces sujets-là, lesquels prenaient le plus de poids et lesquels prenaient le moins de poids. Et quel était le rapport, la corrélation avec d'autres facteurs. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les personnes qui prenaient le moins de poids étaient aussi les personnes qui avaient le non-exercise activity thermogenesis, le NEAT, le plus élevé. Cette capacité à faire un petit peu comme je fais, bouger. Bouger les mains, bouger les yeux, bouger la tête, se déplacer, être actif. Et donc, pour ces personnes-là qui veulent prendre du poids et qui ont du mal à prendre du poids, je vais recommander d'éviter d'être trop actif ou d'augmenter d'autant plus leur apport calorique. Les amis, si vous avez des questions sur la prise de masse, sur la prise de masse sèche, si vous voulez plus de vidéos comme ceci, commentez. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos chez MyProtein.